leader au classement des buteurs de la compétition. Tout de suite, le coup d'envoi du match. Nous sommes actuellement assis dans les gradins de l'Orange Vélodrome à Marseille. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Bonjour à tous. La team Dada est ravie de vous retrouver pour vous faire vivre ce grand moment. Place à ce match de phase de groupe à suivre ensemble. La France contre la Pologne. Les compétitions, ça se joue toujours sur une dynamique, un état d'esprit, une habitude de la victoire. Il ne faut pas perdre de points bêtement. Les titulaires côté français, les voilà. Voyons le 11 qui va démarrer pour la Pologne. Ah non, Aurélien Tchouaméni perd le ballon là. Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment Kylian Mbappé. Et oui, son doublé au dernier match, tout le monde s'en souvient. Ça sort des limites, c'est une touche. Et l'équipe reprend la possession. Et l'équipe de France qui progresse. Assez bien fait, le centre en retrait. Et super barré, le danger était réel. Le but semblait tout fait, j'allais même crier goal, goal. Mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Un corner qui est bien ajusté, très bonne sortie et un ballon qui ne l'échappe pas malgré la pression. Tchouaméni avec Théo Hernandez. Théo Hernandez avec le ballon. L'ouverture en profondeur. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Zielinski. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Koundé éloigne le ballon. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Nous sommes installés dans le camp adverse. Peut-être une bonne occasion à venir. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Jonathan Klaus. Moussa Diaby. Ah, c'est intercepté. Le ballon perdu par l'équipe de France. Zielinski. Ah, bonne couverture du ballon. Zalewski. Oui, bien fait ça. Le danger est éloigné. Sur le côté, Antoine Griezmann. Il a du champ. Le ballon pour Kylian Mbappé. Mbappé pour le centre. Oh, l'interception très haut sur le terrain. L'intervention du gardien. Ballon vers la surface. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé.
Tchouaméni. Klaus hérite du ballon. Ah, la défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Eh, bonne intervention, c'est bien repoussé ça. Et ce corner, c'est l'occasion peut-être de prendre l'avantage. Le corner. Oui mais non, ça ne profite pas en fait. Bon pressing, très bonne récupération. Saliba. Le ballon vers Saliba. Pierre Griezmann. Et un ballon capté sans problème. Et l'interception, la perte de balle des Bleus. Effectivement, depuis une quinzaine de minutes, l'équipe de France a pris son match en main. C'est le signe de la volonté de ne pas subir et de vouloir être supérieur. Il manque juste un peu plus d'efficacité et le but viendra. Oui, mais regardez, il va falloir se mettre aussi à défendre là. Frankowski. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Il y a un gros pressing. Moussa Diaby. Sur le côté, c'est Moussa Diaby. Il a de l'espace. Attention, il y a Griezmann. Aucune prise de risque. Ce ballon est dégagé. Ah, la perte de balle. La balle au pied, c'est Coman. La passe vers Diaby. Et c'est capté sans problème par Chesney. Une nouvelle perte de balle là-dessus. Théo Hernandez. Olivier Giroud. La frappe. Oh, elle est contrée cette frappe. Lewandowski qui progresse. Et aucun doute pour l'arbitre, c'est pénalty. Eh, hey, pas de carton, elle est sympa l'arbitre là-dessus. Elle a considéré que le pénalty était suffisant. Pourquoi pas? Et c'est pour le premier but, peut-être dans ce match. Le pénalty est transformé sans trembler. Pas de réaction, ça va être compliqué d'être héroïque sans bouger. C'était un pari osé de rester au milieu. But marqué par la Pologne. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Et c'est donc la mi-temps dans ce match. Les deux équipes prennent le chemin des vestiaires et dans les tribunes, grosse colère des supporters qui n'ont pas digéré ce pénalty. C'est vrai qu'un pénalty sifflé si tôt dans une rencontre, ça change complètement un match. Mais c'est fait. Et maintenant, il faut se concentrer sur la suite de la rencontre. Il reste évidemment encore une mi-temps à jouer. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période, donné à l'instant. Klaus. Ballon vers Coman. Tchouaméni. Jonathan Klaus. Et un ballon dans la profondeur. Là, il y a un coup de sifflet, c'est un hors-jeu. Le ballon est récupéré avec Kylian Mbappé. Ah, la différence est faite.
Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé. Et l'arbitre indique les 6 mètres. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Ballon pour la Pologne qui peut se projeter. Attention, ça peut être dangereux. Oh, le ballon là qui est repoussé. Ça va vers le point de pénalty. Allez, contre-attaque là, peut-être, on va voir. Mbappé perd le ballon. Robert Lewandowski. C'est contré. Allez, voilà, dépossédés du ballon. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Lewandowski. Ah, pressing réussi, pressing payant. Et une frappe en force qui finit dans la tribune. À cette distance, en plus, pas terrible du tout. Et le changement va donc avoir lieu. Changement pour la France. Sort du terrain. Théo Hernandez. Adrien Rabiot. Olivier Giroud. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Excellent timing sur cette interception. Griezmann. Griezmann, pourquoi pas une frappe ? Et c'est au fond des filets ! L'égalisation ! Et voilà donc ce match relancé ! Quel bombasse ! Il vient de nous mettre ! Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir ou s'interposer. Et avec ce but, score de parité, un partout. Antoine Griezmann. Robert Lewandowski. Et il remporte son duel, bien défendu. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Il y a du soutien en attaque. Kiwior. Milik. Nicolas Zalewski. Et le bon centre là, peut-être. La frappe de Lewandowski. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Rabiot. Kylian Mbappé.
Et l'équipe de France en approche. Le centre d'Mbappé. Et un ballon pour les bras du gardien. Bonne intervention. Le ballon est gagné. Moussa Diaby. Ah, il peut frapper Diaby. La frappe est puissante, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? Le ballon qui manque à le cadre. Pourtant, ce n'est pas la distance qui posait le plus de problèmes. Zalewski. Très bonne intervention. Antoine Griezmann, balle au pied. On vient d'enchaîner là avec Griezmann. Il frappe. Elle a frappé contrée. Il n'y a plus que quelques minutes à jouer. Et donc ce corner peut être l'occasion de départager les deux équipes. Le corner. Ah, pas évident à négocier ce corner, mais le gardien s'en sort très bien et capte le ballon. Cinq minutes à jouer et toujours ce score de parité. Milik. Ça passe par Kedira. Le temps presse, alors tout le monde s'y met pour aller chercher ce but décisif. Mais que s'est-il passé sur cette action? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes. Au moins cadrer, ça sera déjà un bon début. Adrien Rabiot. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Attention pour mener au score peut-être. Frappe contrée, le danger est toujours présent. Bonne détente sur ce ballon. Allez, c'est pas terminé ce corner. C'est une occasion de but, une occasion de départager les deux équipes. Bonne présence, ça l'a tombé, mais c'est toujours dangereux parce qu'il y a du monde. Théo Hernandez avec le ballon. Et Olivier Giroud, goal ! Dans les derniers instants, voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Gol, golazo, golcito, tutti est. Quand le temps compte entre les minutes, le talent a choisi son destin. Son but en fin des matchs déploie nos émotions. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et pour conclure l'action, une frappe puissante pour tromper le gardien. C'est le tir de l'instructeur kamikaze. Attention, je ne le dirai qu'une seule fois. Voilà, c'est reparti dans ce match et le score maintenant est de 2 buts à 1. Les trois coups de sifflet, c'est donc terminé pour cette rencontre. Les équipes rentrent au vestiaire. Et on a réellement apprécié sa performance, vraiment très intéressante. C'est son but,
plein de caractère et d'ambition, qui a libéré tout le monde en fin de match et apporte la victoire à son équipe.